Bonsoir tout le monde. Jeudi à ce jeudi 6 septembre 2018. Merci parce que vous êtes chez TNH dans le grand journal là. Mais quelques points pour le développer. Arrêté qui nommait cabinet ministériel là, secrétaire d'État, publié 5 septembre là, cabinet a gagné 18 ministres à 4 secrétaires d'État. Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon, déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat, copie arrêtée qui nommé liste membre cabinet ministériel là, accompagné avec dossier tout membre gouvernement. L'impossible dans le week-end là pour premier ministre nommé Jean-Henri Seyon aller dans le Sénat pour énoncer politique générale selon vice-président Sénat République là, sénateur Pierre-François Sildor. Inspection générale, police nationale d'Haïti, présentée jeudi 6 septembre là, bilan opération mois août là. Pour période là, PNH recevoir 72 plaintes, réaliser 499 enquêtes, il recevoir 98 dossiers, et puis il isolé deux policiers pour cause la mort, et puis transféré 55 rapports enquêtes dans direction générale PNH là. Et puis, un tremblement de terre, magnitude 6.7 sur échelle Richter a frappé Zile Hokkaido dans le pays Japon pour qu'on gagne information sous dégâts qui enregistrés. Madame, monsieur, c'est point ça avec un pilote qui pourrait parler dans le journal à Soya, mais c'est après pause ça. De l'autre fois, n'a salué tout le monde. Bienvenue dans le développement journal là. N'a démarré avec une nouvelle météorologique nuo et ses prévisionnistes nous, Wilner Polidor, capoté le pour nous. Merci parce qu'on branche télévision nationale d'Haïti. Nous, c'est seule télévision dans le ça sur tout territoire national là. Cap du comme en condition météorologique là et en alouette ça kounia. Nous toujours gain talvec d'altitude qui trouve li au niveau de passage du vent. Et Haïti trouve la partie ascendance talvec ça. Et cela veut dire encore jeudi en abattant nous avec quelques activités la vie sous pays d'Haïti. Et activités la vie ça a concerné région nord pays d'Haïti avec des département Artibonite et le centre, à la rigueur département de l'Ouest, surtout la quartier qui au nord du département de l'Ouest et département de la Grenade, c'est département de la Grenade qui a voir avec activité la pluie sous pays d'Haïti. Cela veut dire que nous avons une journée qui est ensoleillée avec vent cap venté et puis nous avons en fin d'après-midi et en soirée. J'en nous cité la département de la concerné par activité la pluie aujourd'hui à sous pays d'Haïti. Pour capitale avec zone qui environ de nous avons capital aussi cap de journée ensoleillement pour jeudi avec température qui a à la hausse janvier là la température qui a monté jeudi jusqu'à 35 degrés Celsius et puis la descendre la nuit c'est 24 degrés Celsius. N'a bien encore la pluie sous plusieurs quartiers et qui sous capitale la jeudi et la pluie est capable faible à modérer avec beaucoup de l'orage et n'a attendu non seulement l'orage mais n'a pas éclair dans le ciel pays d'Haïti je dis à Situ, sous capitale là, avec zone qui environne lieu. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous non seulement côte sud pays d'Haïti, mais c'est une mer qui a agité à faute. Mais pour golfe de la Gonave avec région nord pays d'Haïti, pas gagné trop de soucis. Captain est capable de naviguer correctement parce que la mer elle peut agiter sous zone Sayo. Mais sous côte sud pays d'Haïti par rapport avec la pluie qui a tombé et visibilité qui a réduit la mer elle est vraiment agitée à faute dans des capitaines yo précaution avec prudence sous côte sud pays d'Haïti et pour parler astronomique là je dis à soir là a couché à 6h59 minutes et la pluie de matin à 6h36 minutes. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Après poursuivre Carité qui nommé membre cabinet ministériel là qui publié mercredi 5 septembre dans le journal officiel PIA le moniteur citoyen Jean-Claude Pierre nommé ministre planification et coopération externe Bochit Edmond ministre affaires étrangères et culte Ronald Desamb ministre économie et finance Jobert Séan grand ministre agriculture ressources naturelles et développement rural Fritz Kayo ministre travaux publics transport et communication
Ronel Gilles, ministre commerce et industrie. Osner Richard, ministre environnement. Marie-Christine Stephenson, ministre touriste. Jean-Oudi Ali, ministre justice et sécurité publique. Mamata Irène Ternier, ministre haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau. Jean-Marie Renaldo Brunet, ministre intérieur et collectivité territoriale. Pierre Josué Agenor Cadet, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Élise Gélin, ministre des Affaires sociales et travail. Marie-Greta Ouaclément, ministre de Santé publique et population. Evelyne Saint-Ville, ministre conditions femmes et droits femmes. Edwin Charles, ministre jeunesse, sport et action civique. Jean-Michel Lapin, ministre culture et communication. Enol Joseph, ministre défense. Et puis Gérald Auriol, secrétaire d'État pour intégration mon handicapé. Émile Brutus, secrétaire d'État alphabétisation. Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État sécurité publique. Akedi Jackson Alexis, secrétaire d'État communication. L'autre point dans le journal à Soya, Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat République la copie arrêté qui nommé l'ISMAM cabinet ministériel là accompagné avec dossier tout gouvernement. Vice-président Sénat Pierre-François Sildordi, commission cap analyser pièce membre gouvernement a travaillé pour vérifier tout dossier yo. Li possible dans week-end là pour Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan aller dans le Sénat pour énoncé politique générale. Nous extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Ce matin vers 11h seulement que représentant Premier ministre a porté toute pièce et ministre. Malheureusement, il y a pas de grand, il y a pas de communiquer copie à eux, ce qu'on y a fait, mais les membres de la commission travaillent au niveau institution pour authentifier un ensemble de pièces et membres gouvernement que et premier s'envoyer là. Parce que nous avons essayé de multiplier et ce commissaire, nous mettons l'autre membre avec membre ce commissaire pour nous travailler un peu plus, notamment au niveau de quatre institutions que nous jugeons importantes. La Cour sur des comptes du contentieux administratif, la Direction générale des impôts, les archives nationales et puis l'immigration. L'État, vous avez des sans pas de possibilité de vous week-end, même balade. Non, nous pensons que le week-end, nous essayé pour nous faire pendant le week-end. Je ne vais pas dire demain, mais je vais essayer de faire un café pour un premier ministre pendant le week-end parce que nous avons énoncé la politique générale, nous avons copié déjà. Qui sont les énoncés politiques là? Brièvement, tout ensemble secteur. Par exemple, c'est moi qui parle sur le dossier corruption, que je vais continuer de travailler sur lui-même. Il touche le dossier économie et tout. Il pense que toute croissance dans. Ça m'a dit un petit peu faible pour le travail sur lui-même. Il touche le dossier et santé, il touche le dossier industrie, il touche le dossier électricité. Ensemble de secteurs maintenant qui fait partie des sept priorités du président Jovenel, il y a là-dedans. Mais ça, non pas, ouais, tout simplement, là, c'est que il n'est pas chiffré. Et non, c'est le général n'a pas chiffré parce que il n'est pas grand budget lui-même que lui fait directement. C'est ça que fait me penser, il dit. C'est à partir de budget qu'il a chiffré un ensemble d'actions pour le traduire de façon concrète. La vision politique. Nous-mêmes, nous disons l'article 157 de la Constitution dit pour être Premier ministre, mais ça le dit. Mais l'article 72-1 dit pour être ministre, il faut. Même si il y a un contrôle qui fait au niveau de l'exécutif sur les pièces des ministres qui forment maintenant le gouvernement, ça n'exclut pas la responsabilité du Sénat de la République et éventuellement de la Chambre des députés pour faire un travail de contrôle. Et c'est ça qu'on a fait, nous. Plusieurs députés qui font partie du groupe 16 dans la Chambre des députés a fait connaître, ils n'ont pas voté en faveur PM Nouméa, Jean-Henri Seyan, pour Jean-Yodi, cabinet ministériel l'a monté. Député Sinal Bertrand à Kabel Descollines a bail plus précision dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Moi-même, je ne vais pas m'opiner sur le cabinet ministériel, ça ne va pas intéresser du tout. Mais sauf que la réaction du député Sinal va autoriser pour saluer Nab Jenny dans la séance et pour ratifier le Premier ministre. Un, et groupe 16 sont un groupe lié qui est beaucoup inscrit, qui est beaucoup comme un bloc politique. Et, mais cependant, on a gagné des positions contradictoires. Dans. Cependant, sous mandat qui bon m'a voté, moi m'a dit vote manger contre lié, ça me répond pour moi. Mais
En dans groupe 16 ans, est-ce qu'on a dit faut que tout le monde vote contre? Mais pour le rester pour chaque monde dit qui j'en pour le voter. Groupe 16 ans pas capable font lecture accablant de un cabinet ministériel, un cabinet ministériel avec de monde qui était en frein de la loi. Maintenant plaise à monsieur Jean-Henri Séan, s'il voulait passer dans l'histoire comme un monde respecté et respectable, pour que d'ici à quelques jours avant cette séance, s'il y a possibilité de remédier, eh ben, c'est à monsieur Séan lui-même pour le tirer la conclusion. Plateforme Femme Soleil Levé, PFSL, dans l'occasion rentrée officielle l'école a encouragé président République là, Jovenel Moïse, et continuer à accompagner parents yo en façon pour faciliter plus de monde pour chimer l'école pour année académique 2018-2019 là. Coordonnatrice plateforme nan Bernadette Lucien qui t'a exprimé sous situation socio-politique pays a mandé parlementaire yo ratifier non ces politiques générales premier ministre nommé a l'étenant micro Colo Eliezer avec Fresnel Toussaint. Nous considérons l'école ouvre porte depuis lundi 3 septembre et parents yo yon l'autre fois encore trouvé yo non gros difficulté pour yo voyer petit yo l'école. De nous garder la vie chère, à valer terre chaque jour, bon Dieu mettez, et maman, papa petit, paka, bat de l'eau encore pour faire bien. C'est peut-être ça, nous-mêmes, plateforme Femmes Soleil Levé, qui gagne là-dedans plus passé 140 organisations femmes, appelez vous voir bien haut, pour demander au président, pour le prendre mesure pressé, pour la population en carré, on souffre. Et nous demandé pour députés et sénateurs, agir vite. Dans la ratification du Premier ministre, le sénateur Jean-Henri Séan, conseil à pays va prendre direction institutionnelle pour lui permettre pays à prendre chemin progrès. Dans l'idée pour marquer 10 l'année existence et observation pauvreté et exclusion sociale, responsable ministère planification et coopération externe réalisé yon et journée dans Pétionville, yon atelier travail pendant journée dans Pétionville. Activité ça qui te réuni plusieurs économistes et citoyens qui a réfléchi sous situation socio-économique pays a été occasion pour membres observatoire présenter bilan travail yon. Sénateur Sudesla, Diopi Chérubin, qui c'est tout premier secrétaire Sénat, encourager exécutif là, mettez plus l'argent pour collectivité territoriale pour faciliter magistrat Kazek à Kazek jeune moyen pour faire développement local. Parlementaire a souhaité dans prochain projet loi financement, gouvernement doit pencher sur question ça. Sénateur Diopi Chérubin dit la continuer faire plaidoyer ça pour collectivité joindre l'argent pour exécuter une série de projets. Il était dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Nous voulons attirer l'attention pour ne pas venir avec elle sans ne pas tenir compte de collectivité. Dans l'année qui passe là, ils ont dit qu'ils mettent fond dans le budget pour eux. Les gens regardent, nous ne pas de rien qui inscrit dans le budget pour la section communale. Mes amis, si yon pays li constitué de 10 départements, c'est pour nous garder, pour nous dire, n'a pas divisé sa pays à gagner, même l'organe doit considérer un département par rapport à taille, deux fois l'autre, ou dit ou ap fait par 11, ou bien on prend l'autre qui était trois fois, ou ap fait par 15, mais faut que nous apprenons faire division, faut que nous apprenons faire partage dans le pays ça. Collectivité yo néglige en pile. Et si ou besoin pays ça goûter, non, ça qui a passé, si vous avez besoin de fonds qui est équitable, vous êtes obligé de penser à la collectivité territoriale. Yo. Je dis, nous prenons courage nous à demain pour nous dire, nouveau gouvernement, à bon entendeur, salut. Nous voulons prendre note que vous n'avez pas doué venir avec un budget sans vous pas dire combien cob qui n'a budget pour chaque section communale. On va poursuivre la compagnie transport scolaire dignité qui prend toute disposition pour accompagner élèves l'école dans le pays grâce à support gouvernement en place là. Pendant reste équipe là à travail pour bailler tout petit monde service comme ça doit d'après Gary Jean-Jacques inspecteur transport scolaire dans dignité. Nous extrait dans micro d'Alindo Rival à Fresnel tout ça. Première semaine l'école ouvre, toujours pas facile pour élèves à l'école. Et
compagnon décide de service. L'État prend toute disposition pour compagnon là, pour bûcher là et pour élèves de cal l'école. Dès que compagnon, son monde qui a travaillé du bec et des ongles avec sa lien comme moyen pour aider compagnon fonctionner avec ben support l'État et tout, ben, nous espérons l'État baille et puis support toujours. Dignité pas mener élève l'école seulement, dignité fait élève à l'école. C'est le moment pour nous prendre une deuxième pause dans le téléjournal. Ça, nous avons appelé à suivre lui sur la télévision nationale d'Haïti. Nous allons tourner dans un petit moment. Inspection générale et police nationale d'Haïti présentée jeudi 6 septembre, là, bilan tout opération mois août. Là. PNH recevoit 72 plaintes, réalisé 499 enquêtes, il recevoit 98 dossiers, l'ouvri 85 enquêtes, isolé 2 policiers pour cause la mort, transféré 55 rapports enquêtes dans direction générale. Là. Commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin fait connaître un total 490 dossiers qui traitaient sorti mois janvier pour arriver mois août et puis un total 512 plaintes. Porte-parole adjoint promet police nationale à continuer travail comme ça doit. Jean-Claude Benjamin t'es dans micro Stéphanie Charles avec Moïse Wilbridge. Quantité plainte que nous recevons pour mois d'août là au nombre de 72. Parmi les raisons qui font que nous plainte, c'est pour abus de confiance, c'est pour agression, tout c'est pour mauvais traitement, également c'est pour dette malheureusement, deux pour persécution, quatre pour refus de soins, quatre pour rétention de documents. Acte d'enquête que l'inspection générale réalisé pour le mois d'août 2018, il y a un nombre de 499. Acte d'enquête, ça a réparti comme ça, 126 convocations, 109 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 17 invitations, 17 confrontations, 9 médiations, 3 mesures conservatoires, nous avons 2 isolements et nous avons 3 levées de mesures d'isolement. Quantité de dossiers, effectivement, nous te recevoir, et au nombre de, nous disons nous te recevoir 72 plaintes, mais autre que 72 plaintes, ça, il y a 7 saisines d'office. Donc, saisines d'office, c'est que c'est un bagage qui a fait, c'est soit que c'est l'inspection générale qui well, tout saisi de lit, ou bien c'est une autorité qui relaie, qui dit, mais ça l'ouè, nous tout saisi de lit. Il y a tout 11 rapports externes, donc des rapports qui sont dans les directions départementales, ou du moins dans les directions centrales. Enquête qui est ouverte pour moi d'août, il y a au nombre de 85, tandis que rapport d'enquête signé et expédié au DGPNH, il y a au nombre de 55. Et comme nous dit déjà, nous avons gagné 2 mesures d'isolement. Nous avons 7 recommandations de mise en disponibilité, il y a 23 suspensions. Constatons qu'il y a 29 classements. Donc il y a au total 29 dossiers qui ont été classés parmi les 55 et signés et expédiés au directeur général. Nous avons gagné tout 40 avis aux plaignants. Et puis dans le cadre d'activité, inspection générale et police l'a réalisé, ils ont visité tout commissariat dans le département de l'Ouest là, et puis réalisé séance sensibilisation pour 29e promotion hein, sous thème organisation, rôle et fonction IGPNH, règlement et discipline générale droit moun, éthique et déontologie. Porte-parole adjoint en fait qu'on ait été réalisé séance travail tout avec Minujust sous droit moun, li promettre séance ça yo à continuer pendant exprimer satisfaction. Jean-Claude Benjamin mandé yon l'autre côté pour tout directeur départemental yo déployer toute force yo pour bon déroulement année scolaire. Dans micro Stéphanie Charles avec Moïse Wilbridge, yon extrait. L'occasion nouvelle saison ça IGPNH souhaite à tout le monde particulièrement à la grande famille de la PNH une bonne et heureuse année scolaire. On a profité tout pour nous rappeler à tout directeur départemental, on a rappelé à chaque responsable de police obligation que commandement fait yo pour déployer toute force justement pour capable
permettre une très bonne rentrée des classes. Quelques activités que tu as réalisées alors par l'inspection générale pendant le mois d'août, c'était les tournées d'inspection dans le département de l'Ouest. Tout le mois d'août est consacré à tournée d'inspection. Nous visitons tous les commissariats, plus que 20, dans le département, excepté la Gonave qui peut visiter, mais n'a fait sous peu. Qui s'en fait comme constat dans l'inspection? J'en fais dans l'autre côté. Tu as des commissariats et sous-commissariats qui sont propres et qui sont en bon état physique. Cependant, dans le travail qui est pour faire par rapport à mauvais état, certains commissariats, certains sous-commissariats et surtout certains antennes de police, certains postes de police. Qui ça a été comme problème commun? Il y a un manque d'effectifs en pile côté, il y a un manque de matériel tout en pile côté, il y a plusieurs postes de police qui ne pas répondent à normes. Il y a certains endroits où que conditions de travail sont vraiment précaires, donc conditions vraiment difficiles. On a profité encourager côté qui bon yo, on a encouragé tout côté qui difficile yo de façon à ce que le travail est capable de faire parce que nous pas capable de baisser les bras. J'ai gagné tout pendant le mois d'août des séances de sensibilisation à l'intention des aspirants policiers de la 29e promotion. Donc 29e dans l'INA Academy présentement, ils ont pour graduer sous peu. Inspection générale t'a fait le devoir pour aller vers eux-mêmes, non seulement pour compléter la formation académique que vous prenez dans l'école de police, mais nous devons tout ajouter quelque chose dans ce que vous prenez. Ça ne devait ajouter par exemple, c'est l'organisation, le rôle et les fonctions de l'IGPNH. Nous devons parler autour sur les règlements de discipline générale. Certains policiers qui viennent là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas malheureusement le règlement. Donc nous tenons à ce que nous allons vers eux-mêmes de façon à ce que nous n'ayons moins de cas possibles. Donc ça répond à un proverbe créole qui dit, en fait, proverbe français qui dit et prévenir vaut mieux que guérir. Nous t'ai parlé avec tout sur les droits humains. Nous t'ai parlé également sur la déontologie, l'éthique et les valeurs cultivées au sein de la PNH. Et j'en ai dit tout à l'heure, dans l'idée pour marquer 10 l'année d'existence, observation portée à exclusion sociale, responsable du ministère planification et coopération externe, réalisé un atelier travail dans Pétionville, jeudi 6 septembre. Activité ça qui a réuni plusieurs économistes et citoyens qui ont réfléchi sur la situation socio-économique pays, c'est occasion pour même observatoire présenter bilan. Observation pauvreté exclusion sociale, c'est une entité dans le ministère planification et coopération externe qui l'a pour chercher information sur conditions mon vivre dans le pays, analyser données et puis transmettre rapport yo by autorité concernée. Pendant 10 années d'existence, l'observatoire a déjà produit une soixantaine de rapports. Sur le coordonnateur Pierre Jaurès Mira. Pierre Jaurès Mira expliquait observation pauvreté et exclusion sociale là fait rapport sur ça les constater seulement. Selon lui, travail yo a permet l'état haïtien gagner des sous conditions socio-économiques population et en façon pour les capable poser bonne action développement dans zone qui plus nécessité. Directeur général ministère planification et coopération externe Stevenson Jacques Timoléon félicité membre UOPESO pour engagement yo. Il encourage yo continuer le travail pour permettre l'état haïtien gain donner dans main li pour permettre condition la vie moun yo changer. Activité ça té occasion pour membre UOPESO porter lumière sur une série de travail y a réalisé. Mairie Cité Soleil bail jeudi 6 septembre l'an parent ak élève l'école k'ap vive nan cité a yon assistance financière. Président conseil municipal Cité Soleil la Jean Islin Frédéric fait connait mesure sa gen pour objectif accompagner maman ak papa petite nan occasion rentrer l'école la. Magistrat Cité Soleil la continue pour demander responsable dans l'état continue fait travail curage nan cité a qui souvent causer dégâts dans période de la pluie. Nous extrait nos micro Louis-Nel Jean-Louis avec Michel Joseph. Je dis à nous-mêmes en tant que responsable dans la commune Cité Soleil,
ne pas qu'à quitter le moment ça a passé comme ça. Et malgré que nous pas fait gain fond dans mairie nous pour nous relayer tout parents c'est sur les pour nous dire mais que ça nous a fait avec nous qui mairie. Mais heureusement, nous avons vu un fonds qui sortit dans la SMCRS pour nous faire un assainissement et nous transformer le fonds pour entrer à l'école avec les parents. Et nous estimons que là, le jeune monde doit. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'assainissement. Cité Soleil, c'est une zone qui a besoin d'assainissement constamment. Une zone qui a besoin d'assainissement permanent. Parce que hier, et tout le monde est capable de comprendre ce qui s'est passé là, on a pu tomber ou pas tomber Cité Soleil. Et ça fait tout le temps. Mais je dis, il y a des gens qui ne doivent pas t'accavouer si vous êtes à l'école, peut-être un soulier de cavane, $50, peut-être un soulier de cavane, $100, peut-être un soulier de cavane, 1000 gouttes. Mais je dis, le conseil communal de Cité Soleil là, permet que les gens, si vous êtes dans la nécessité de 1000 gouttes, par rapport à ça, nous allons vous faire si vous êtes à l'école. Et c'est peut-être ça, nous prenons fonds ça, nous menons directement côté nous voulons mener là, qui se caille chaque grain citoyen, citoyenne, qui n'a nécessité de dévoiler Timounio l'école. Parce que nous comprenons qui ça éducation vaut dans un pays. Donc, là, on entre l'école à fête, dans un pays, tant qu'à Haïti, dans une commune, tant qu'à Cité Soleil, côté majorité de monde pas travaille. Donc, je dis, un pile monde a venu dans la mairie pour dire, maïsra, rentrer des classes, et je dis, nous fiers pour que nous allons livrer un bon de 2500 gouttes chacun pour que nous allons voir Timounio l'école. Donc, je pense que c'est un ensemble de 300 personnes que nous faisons ça pour voir Timounio l'école. Institut international pour démocratie et assistance électorale IDEA présenté jeudi 6 septembre un document qui a pour titre contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. Directrice IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, expliquait document ça à travers diverses recommandations et propositions liées là-dedans pour permettre des réflexions faites sous question conseil électoral permanent dans le pays. Nous extrait dans le micro Louis-Nel Jean-Louis et Michel Joseph. C'est au livret sous conseil électoral permanent, comment machine électorale fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, il pral parler de tout ça, il pral faire des recommandations. Recommandations sous question contentieux, recommandations sous question bulletin de vote. Donc, là, nous pralouais préface là, nous pralouais que li absolument pas oublié rien. À quoi ce conseil électoral va devoir s'atteler, qui ça le pral joindre, qui ça le pral fait. Donc, ce livret, c'est cette contribution. Donc, pour le conseil permanent, la mise sur pied pour le conseil permanent, mais tout pour améliorer machine non, pour que son machine qui que y a pas remettre en question à chaque fois que gagne élection. De l'autre côté, directrice IDEA dans le pays Paraguay, Lourdes Gonzalez, qui a participé dans l'activité, a expliqué façon divers autres pays habitués à gérer dossier élection avec formation conseil électoral. Lourdes Gonzalez fait référence dans ce sens à trois modèles conseil électoral, tant que conseil qui montait avec seulement monde qui fait partie gouvernement, conseil mixte qui gagne là-dedans le représentant gouvernement avec l'autre structure indépendante. Ensuite, conseil qui composé avec seulement professionnels qui sorti dans société civile là. Toujours dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis et Michel Joseph, nous proposons un extrait. Il y a trois modèles d'organismes électoraux. Il y a le premier modèle qui est l'organisme de gestion électorale gouvernementale, mais ça se passe plutôt en Europe. C'est contrôlé d'une manière centrale par le gouvernement. Deuxième modèle mixte, il y a une structure indépendante du pouvoir exécutif et il y a une autre structure qui dépend du pouvoir exécutif et qui contrôle. Et le troisième modèle qui est le plus intéressant pour notre région, c'est le modèle élection organisée et contrôlée par un organe indépendant. C'est ça qui est le plus intéressant parce que les démocraties modernes fonctionnent bien quand il y a des organismes électoraux indépendants
et qui sont qui n'ont un rapport hiérarchique ou de tutelle avec le pouvoir exécutif et qui ont, comme Madame Lassé vient de vous dire tout à l'heure, un budget séparé. Exemple, Burkina, le Costa Rica, l'Estonie, la Géorgie. Mais attention, dans certains pays, surtout dans notre continent, il existe deux organismes indépendants qui s'occupent d'un côté de l'administratif, de gérer les élections, d'organiser les élections, et de l'autre côté, et le contentieux. Et les exemples dans notre région sont la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine, même le Pérou. Et ce sont... Il faut comprendre que la manière dont on gère les élections, ça dépend du contexte. Mais ce que les bonnes pratiques internationales après 50 ans d'études nous montrent, c'est qu'il faut avoir un organisme permanent, un organisme indépendant et un organisme autonome pour assurer le bon déroulement des élections. Mélodie FM fêté jeudi 6 septembre l'an 20e l'année existence li pour marquer journée en responsable na radio a réalisé une journée porte l'ouvri côté plusieurs auditeurs te gen chance visiter espace média ça Rodney d'Orléans Fresnel tout ça. Mon amour, bon anniversaire. C'est dans façon ça, divers journalistes, reporters et présentateurs qui travaillent dans la radio Mélodie FM manifestent contentement yo jeudi 6 septembre là, dans l'occasion anniversaire média ça. Si on a fêté 20 ans dans Mélodie FM, ou du moins si Mélodie a fêté 20 ans, moi j'ai fêté 11 ans dans 20 ans Mélodie FM là, comme journaliste dans la salle de nouvelles là qui est plus ancien, et c'est déjà plus qu'une fierté. Je pense que c'est une bonne expérience, malgré que je n'ai pas le temps, mais du temps que je déjà fait là, et je n'ai pas pour me reprocher, et je souhaite que je passe des années ensemble avec Adjo. Dans 20 années, ça, nous contribuons 10 années là-dedans, c'est 10 années progrès, puisque nous disons, Mélodie sont famille, et c'est la deuxième famille que je possède. Pour permettre aux auditeurs de comprendre plus bien le fonctionnement et station Radio SAR, responsable réalisé une journée porte l'ouvrir. D'après Marc Garcia, 20e anniversaire SAR pour lui représenter 20 années victoire. C'est pour dire un défi pour Radio SAR. Et en même temps, c'est nous assez fiers tout que nous relevons des défis. Et comme nous avons franchi le moment ça et que nous espérons la situation va améliorer, donc si nous arrivons là dans un moment difficile, eh bien, nous espérons faire encore mieux. Direction générale Mélodie FM, cap émettre sous 103.3, renouveler engagement pour continuer le travail pour servir la population. Et voilà, nous souhaitons un bon 20e à Radio Mélodie FM. Nous prenons l'autre pause dans le journal là, nous retournons un petit moment. Samedi 8 septembre, Cap Vinila, marqué 52e journée internationale alphabétisation. Dans l'occasion, un responsable secrétaire d'État pour l'alphabétisation a annoncé yon ensemble activité pour célébrer journée ça. Parmi activités ça yo, gen tourné médiatique, conférence pour la presse, ak journée porte l'ouvri pour permettre public là connait pi bien travail institution. Nous profiter de journée pour nous approfondir réflexion et j'en appelle là ensemble à vous. Et par exemple, nous un point qui a un rapport avec la célébration journée, c'est l'activité que nous avons fait là, faire des tournées médiatiques au niveau des médias pour parler avec la population, pour la population qui connaît qui ça a fait au niveau du secrétaire d'État pour l'alphabétisation, soit activité que nous commençons pendant toute semaine là et qui prend fin samedi. Deuxième grande activité que nous avons pour nous faire, c'est une journée porte ouverte au niveau de secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Son journée qui a commencé à 9h avec un atelier réflexion. Le samedi? Vendredi 7 là. Mm-hmm. Avec ensemble emploi et SEAO pour commencer, pour nous réfléchir effectivement sur deux gros documents que nous préparons sous l'administration M. Émile Boutus là. C'est le document Combit Alpha avec le projet curriculum nous. Nous avons commencé entre nous
Après ça, vers 18h30, le secrétaire d'État a commencé à recevoir invité officiel Lio, que lui-même invité venir ensemble avec dans l'occasion 52e journée. Et en même temps, tout l'a recevoir, commencé à recevoir la presse à partir de 11h, 18h30, 11h. Et la presse est disponible, selon ça, il dit nous, pour recevoir différents autres journalistes qui n'ont pas de temps pour arriver dans la conférence de presse pour le Bible. Mais si Dieu veut, à côté de tout, fixer position secrétaire d'État pour l'alphabétisation, ça veut dire fixer position gouvernement sous la 52e journée et internationale alphabétisation. En même temps, tout, comme nous disons, journée porte ouverte, n'a pas paré pour nous recevoir différents visiteurs dans la zone, différentes autorités, différents groupes concernés qui voulaient venir avec nous, faire visiter différentes expositions que nous préparons dans l'occasion, faire passer, rencontrer responsables différentes directions, différents services, qu'on soit capable de poser nos questions, entrer dans la cuisine pour nous connaître qui ça n'a fait, qui difficultés nous rencontrer, etc. Et puis, au bon moment qu'à privé, bon, on a on goûte ensemble et puis après ça donc vers 3h le secrétaire d'État dit de mots pour capable clôturer journée hein? Rien de cana faculté médecine et pharmacie et puis l'école biologie médicale qui a performé postulant pour concours admission année académique 2018-2019 là examen pour connaissance générale yo a fait sous accréditation faculté fonction université devoir ak citoyenneté postulant l'école optométrie pas composé dans biologie végétale mais dans mathématiques. D'après les nouvelles, l'autre bord de l'eau, Kounia, yon tremblement de terre, magnitude 6.7 sous échelle Richter, frappé Zile Hokkaido, dans le pays Japon. Et puis, Santéis l'a trouvé dans l'est ville Tomakomai, qui trouvé dans le sud-est Sapro. Autorité recevoir un pile appel qui a rapport avec Moun qui disparaît, et puis glissement terre. Pour Pipiti, 8 moun mouri, yon quarantaine disparaît, plus passe yon centaine blessé dans le tremblement de terre ça dans le pays Japon. Au moins 4 glissements de terrain signalés sous l'île Hokkaido, toujours dans le pays Japon. Déjà dans la ville de Souma, l'hélicoptère retire un pile moun qui a une chance de vivre, sauf que yon peur pour pas de moun qui piégé en bas des combles. Sauver la vie des gens est notre priorité absolue, dit-il. Le gouvernement japonais dans son ensemble s'occupe des secours en cas de catastrophe et nous allons nous occuper sérieusement de cette crise. Sous l'île Hokkaido, presque 3 millions de monde bagay électricité, service ferroviaire et aérien pas fonctionné. Pour Pipiti, 8 moun mouri. Arrêté qui nommait cabinet ministériel là avec secrétaire d'État yo publié mercredi 5 septembre là cabinet a gagné 18 ministres à 4 secrétaires d'État. Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon déposé jeudi 6 septembre là dans Sénat copie arrêté qui nommé liste membre cabinet ministériel là accompagné dossier tout membre gouvernement. Li possible dans week-end là pour premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon aller dans Sénat pour énoncer politique générale selon vice-président Sénat République là Pierre-François Sildor. Inspection générale et police nationale d'Haïti présenté jeudi 6 septembre là bilan opération mois août là pour période là PNH recevoir 72 plaintes, il a réalisé 499 enquêtes, il a recevoir 98 dossiers, l'ouvri 85 enquêtes, isolé 2 policiers pour cause la mort et puis transféré 55 rapports enquêtes dans la direction générale PNH là. Et puis à l'étranger, yon tremblement de terre, magnitude 6.7, sous échelle Richter a frappé Zile Hokkaido dans le pays Japon. C'est toute information ça on te pote pour merci à vous-même qui t'ai prêté nos attention. Merci à tout le monde qui t'ai rendu téléjournal la possible. Nous souhaitons passer un bon jeudi soir sous télévision nationale d'Haïti.